Alors, Loris Gubian pour Trial Vidéo. Bah, déjà, merci de nous accorder une petite interview. Merci. Et puis, tu peux un peu nous dire comment tu ressens la saison cette année? Moi, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Je suis dans mes objectifs que je m'étais fixé au début d'année. Hier, en tête du championnat de France, j'ai eu 3 épreuves avec 16 points d'avance sur le deuxième. Actuellement, 9e au mondial. Comme objectif, c'était de battre Brown et Oliveras. Chose faite. Et en plus de ça, j'arrive à battre une fois un Texa et une fois un David, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Et puis bah, je suis dans mes objectifs, donc c'est ça qui est bien. Je ne m'étais pas fixé plus haut parce qu'après, ça peut se fixer plus haut, après, il faut les atteindre, c'est autre chose. Donc pour ma première année, c'était de battre Ron et Mirage. Pour avancer l'autre. D'accord, alors j'ai eu l'occasion de m'interviewer avant Christophe Brouillon. Et donc, je t'ai posé la même question que je vais te poser. À savoir, quand on est 9e mondial, ce qui est le cas en ce moment, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places, à savoir essayer de battre des gens comme Frexa ou comme Lampkin qui sont en fin de carrière et qui malgré tout sont encore dans le top 6, top 7. Et donc, comment est-ce que tu comptes gérer ça dans les années à venir ou dans les mois à venir pour essayer de grappiller ces places? Déjà, moi, il faut savoir que c'est ma première année. C'est vrai que je découvre. C'est une année où je découvre. C'est vrai que ceux qui sont devant, c'est difficile parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. De battre sur tout un championnat cette année, c'est une mission impossible. Parce que déjà, fait ça à 11 points d'avance sur moi. Donc, c'est vraiment très difficile. Ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'heures de roulage. Puis on voit qu'ils ont l'habitude d'être sur le mondial. Hein. C'est des hommes qui ont fait pas mal d'années de mondial. Comment je vais gérer mes entraînements, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de rouler, d'essayer de me tenir à rouler tous les jours comme je fais d'habitude. L'année dernière, cette année, j'ai passé pas mal de temps en Espagne avec Adam Raga où j'ai pu bénéficier de ses entraînements, ce qui m'a poussé un peu plus vers le haut, on va dire. Puis de faire aussi des indoors avec Bernard Restrepo aussi qui pousse toujours avec les top pilotes, de rentrer dans leur zone, tout ça, c'est vraiment important. Ok, super, écoute, on te remercie et puis on va te souhaiter une bonne course pour demain et puis espérons que tu vas gagner. Merci. Et puis merci pour tout. Merci. Salut. Parfait. Parfait. On va doucement réfléchir où on met ses roues. On fait attention au gaz, hein. Parfait. Du gaz, c'est de la marche à glisse, hein. Je suis inertie là-bas. Allez, on se fait battre.